À nos frères défunts, accorde, Seigneur, l'éternel repos, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, cette liturgie que nous célébrons en mémoire des défunts, des morts du coronavirus et de tous ceux qui ont perdu la vie en ces jours sans avoir reçu le réconfort des funérailles. Cette célébration nous ouvre à la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à tous nos frères et sœurs défunts de partager sa miséricorde, de partager sa victoire pour te contempler éternellement. Toi, leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénouement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Prions avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avec cette sainte liturgie, nous voulons présenter au Seigneur tous ceux qui sont morts en Italie et ailleurs dans le monde à cause de la pandémie du coronavirus. Et nous rappelons aussi tous ceux qui ont perdu la vie en portant des soins, les médecins, les infirmiers, des prêtres, des gens humbles, des hommes et des femmes qui ont servi les plus pauvres avec générosité jusqu'au bout. Malheureusement, beaucoup de ces morts n'ont pas pu avoir le réconfort ni des sacrements, ni de la présence de leur famille, de leurs parents. Et la grande majorité n'ont pas pu avoir la célébration des funérailles. Au Moyen-Âge, lorsque les pandémies éclatèrent, comme celle de la peste,
Il y avait beaucoup de corps morts dans les rues, abandonnés, qui n'étaient pas enterrés. La piété chrétienne a ajouté une septième œuvre de miséricorde aux six œuvres listées dans l'évangile de Matthieu, dans la parabole du jugement dernier. Et cette œuvre de miséricorde consiste à enterrer les morts. Aujourd'hui, de nombreux siècles plus tard, dans un monde bien plus évolué qu'alors, il a été difficile, voire impossible, de mettre en pratique cette œuvre de miséricorde. C'est vraiment un grand trouble qui a traversé le monde chrétien. Les proches des défunts, les amis, nous aussi, avons regardé avec tristesse les images de tous ces cercueils mis les uns à côté des autres ou bien chargés dans des véhicules militaires. Des cercueils qui ne trouvaient pas de place pour être enterrés dans les cimetières. Aujourd'hui, avec cette liturgie, célébrée au cœur de la semaine, comme pour dire que nous descendons au cœur de la dure réalité de ces journées, nous voulons rappeler tous ces défunts. Ils sont nombreux, trop nombreux, et parmi eux, beaucoup trop de personnes âgées décédées dans les maisons de retraite. Le Seigneur, lui seul, connaît le nom de chacun, leurs histoires, leurs souffrances, ceux qui ont dû affronter, souvent dans la solitude, des derniers moments de leur vie. Aujourd'hui, nous voulons les rappeler tous. Cette petite église de Saint-Égidio, devenue en ces jours le sanctuaire pour nos prières de chaque soir, ce soir, pour nos frères, cette église devient comme la maison où il y a de nombreuses demeures dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Nous avons besoin de la consolation du Seigneur, la consolation de Jésus, qui se fait proche de nous et de tous, tous les défunts de ces jours, pour leur dire que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus, pourtant, était troublé en voyant son heure s'approcher. Il venait de dire à ses disciples, « Mon âme est triste ». Et voyant qu'ils étaient perdus, il a pratiquement oublié son propre trouble pour dire que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures. Et il a ajouté, vous avez foi en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus exhorte à avoir foi en lui, à s'en remettre à lui, la pierre angulaire de la maison que le Père construit pour tous. Oui, la maison du Père, c'est Jésus lui-même. Cette conviction fait dire à l'apôtre que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jésus répond à Thomas qui lui demandait quel est le chemin. Il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père sans passer par moi. Chers frères et sœurs, c'est Jésus, le chemin, la maison. C'est lui qui donne la plénitude de la vie. C'est le mystère de Pâques que nous célébrerons d'ici quelques jours. Ce soir-là, Jésus parlait de son voyage, il parlait de sa mort et de sa résurrection. La victoire sur la mort serait une victoire pour tous, pour les disciples, pour nous, et aussi pour ses frères et sœurs. Dans l'amour de Jésus, tous peuvent trouver une demeure. Il s'agit vraiment d'une maison grande, cette maison de l'amour de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas nous laisser prendre par l'angoisse et la peur de la mort. Avec cette sainte liturgie, non seulement nous rappelons les défunts de cette période difficile, hier aussi, nous avons été unis à toute l'Italie qui a fait mémoire. Aujourd'hui, nous les présentons au Seigneur afin qu'il les accueille dans la maison de son Père. Au terme de cette liturgie, nous nous rendrons en pèlerinage spirituel à l'autel des croix, dans la petite église de Sant'Egidio. Elle se trouve en face de l'autel de la parole de Dieu. Élie est là-bas, au milieu des nombreuses croix qui viennent de nombreux lieux de douleur du monde. Nous présenterons nos frères et sœurs défunts au Seigneur, et lui, comme bon pasteur, s'approchera de chacun d'eux, eux qui ont eu une mort particulièrement dure. Il leur dira que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je vous emmènerai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Amen. Ensemble, adressons notre prière au Seigneur afin qu'il nous exauce et disons ensemble. Prions le Seigneur de la vie pour ceux qui sont morts dans la pandémie du coronavirus. Pour ceux qui meurent seuls, sans la présence de leurs proches, prions afin que personne ne soit oublié, que tous trouvent miséricorde dans le royaume de justice et de paix. Prions le Seigneur pour tous les médecins, les infirmiers, infirmières qui ont perdu la vie en prenant soin des malades. Prions le Seigneur afin que tous aiment la vie, la défendent, la respectent dans l'attente et dans la préparation du royaume de Dieu. Prions le Seigneur pour les prêtres et les religieux qui ont donné leur vie afin que les pauvres et les malades ne restent pas seuls, afin qu'ils trouvent dans le ciel la récompense que Jésus a promis à ses serviteurs fidèles. Prions le Seigneur qui a consolé Marthe et Marie avec la résurrection de Lazare, afin qu'il console par sa résurrection ceux qui ont vu la mort s'abattre durement à côté d'eux. Prions le Seigneur qui laisse 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Prions-le de prendre soin de nos frères et sœurs qui nous ont quittés, maintenant que nous ne pouvons plus rien faire pour eux, si ce n'est les confier à sa miséricorde. Ô Seigneur, toi qui as envoyé ton Fils au milieu de nous, afin qu'il soit la demeure qui accueille tous les hommes
et toi qui ne veux en perdre aucun, écoute notre prière. Accueille tous ceux dont nous faisons mémoire dans cette liturgie, afin qu'ils vivent dans ta paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ, que le sacrifice de cette Eucharistie, en les arrachant au lieu de la mort, au lien de la mort, leur obtiennent de vivre en toi pour l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Égidio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, souviens-toi de nos frères et sœurs que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareil à son corps glorieux. Reçois-les dans ton royaume. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Thank you.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Et cantiamo il canto della pace. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères et sœurs défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendons-nous maintenant en pèlerinage.
vers l'autel des croix. Prions. Sous la croix de Jésus, devant les nombreuses croix de ce monde, confions à Dieu, Père de miséricorde, tous ceux qui sont morts à cause de la pandémie du coronavirus. Que le Seigneur nous enseigne à compter nos jours et qu'il leur accorde l'éternité bienheureuse. L'eau et le parfum de l'encens représentent la mémoire de l'amour de Dieu versé en nos cœurs et qu'elle soit le signe du sacrifice de louange qui est notre prière en ce jour, afin que tous soient accueillis dans le royaume de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ô Seigneur, tu n'oublies personne. Les noms de ceux qui nous sont chers sont inscrits au livre de vie. Aujourd'hui, ils vivent avec toi, la béatitude de ton amour, avec tous les saints. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de tous. Apprends-nous à être une consolation pour les pauvres et les affligés, afin que vienne vite ton règne de paix, maintenant et à jamais. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t'accueillent à ton arrivée, qu'ils t'introduisent dans la sainte Jérusalem. Que le cœur des anges vous reçoive, et avec celui qui fut le pauvre Lazare, que vous puissiez goûter le repos éternel.